Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo où tout simplement j'ai testé le deck du premier mondial en ladder, Mohamed Light. Je pense qu'il y en a plein qui connaissent. Il a fait, je pense qu'il a gagné plein de World Cup. Je connais pas trop l'e-sport sur Clash Royale, mais il est très très fort. J'ai testé son deck, vous allez voir, c'était une catastrophe. Et je tenais à vous dire d'ailleurs, joyeuse fête de Noël, parce que les gars, c'est les vacances de Noël. Donc il va y avoir plein de vidéos, plein de trucs comme ça. Donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus. Bref, bon visionnage. Du coup les gars, on va directement aller dans l'onglet classement. Classement directement là, on a qui? On a Mohamed Light qui est premier actuellement. Mohamed Light, pour ceux qui ne connaissent pas, à ce qui paraît, les gars, c'est le meilleur joueur all-time du monde sur Clash Royale. Il a fait une finale de la World Cup et il a perdu, malheureusement, face à je ne sais plus qui, mais j'ai fait une vidéo dessus. Et à ce qui paraît, ce n'était pas très mérité. Donc voilà, on va tester son deck qui est un cochon Tesla. Ok, ok. Et ensuite, alors son profil, je pense que ce n'est pas son vrai compte. Parce que quand je vois. Ouais, je pense que c'est son compte secondaire. Mais en tout cas, très gros joueur. J'ai pris son deck, on va directement aller en défi classique. Donc voilà, j'ai pris son deck, on va lancer. Alors, je sais pas contre s'il avait de l'esprit de feu ou pas, je m'en souviens plus. Classement, et c'était peut-être l'esprit de glace. Hein. Esprit de glace, my bad, autant. Ok, l'esprit de glace, c'est parti, on est parti en défi classique. Si ça se passe bien, on passera peut-être en super défi. Pour l'instant, on part sur un truc plutôt simple. Ok. Ok, ok, la Tesla qui a été nerf il y a pas longtemps. Donc voilà d'ailleurs le cochon. Le cochon qui est actuellement. Bon là je pense que je fais n'importe quoi. Le cochon qui hop à la, au niveau de la tour du roi. Donc ça peut être sympa de le jouer. Alors moi j'ai jamais joué cochon. Moi j'ai jamais joué le cochon. J'ai jamais été un joueur cochon. Il nous sort ça. Ok, on va être une petite Valkyrie en fond de map. L'artificiaire que je sais pas du tout jouer pour le coup. Alors on va arrêter la charge avec ces petits squelettes là. Apparemment, ça cycle vraiment vite, hein. J'ai déjà ma bûche, wesh. Apparemment, ça, on aurait bien aimé la garder. On va mettre un cochon juste devant. Ça peut faire mal. Aïe, ok, il nous met la bûche. Un coup, peut-être un deuxième coup, moins. Ok, deux coups. Ok, pas mal, pas mal. Ça, j'aime bien, pour le coup. On va mettre la petite Tesla juste ici, l'artificière. L'artificière, je pense que je la place très mal, hein. Ok. Ah là là, le gobelin Sarbacane qui fait mal. Hein. Ah, il. Waouh, waouh, mais wesh, le gobelin Sarbacane. Oula, par contre, il a fait un peu de la D, je crois. Hein. Ok, ok. Ah, honnêtement, le deck est pas mal. Le deck est pas mal, mais compliqué. Hein. Compliqué de fou pour l'instant. Ah, moi, c'est une petite Valkyrie en fond de map, hein, je pense. On va la mettre à gauche, c'est quoi la Valkyrie? Comme ça, au moins, s'il attaque à gauche, on pourra un peu défendre. Et en vrai, il nous pose. Ok. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. En vrai, de vrai, c'est bien joué, là. Là, j'espère que ça va passer. On va mettre une Valkyrie juste ici sur les fripons. Ok, ok, ok. Là, il a quand même pas mal tapé. Il a quand même pas mal tapé. Ça, ça fait plaisir. On va défendre, là. Ouais, j'avais pas vu, wesh. Et le gobelin Sarbacane, ils l'ont up. Je vous jure, il est devenu trop fort. Ok, c'est compliqué là un peu là, je trouve. Hein. 1300 HP sur la tour de droite. On va envoyer ça. Avec un petit esprit, il va mettre une bûche, je pense. On mettra même pas de coup. Ok. Me range pas trop ça pour le coup. Hein. Oh, nickel. La Valkyrie qui va faire un très bon taf là-dessus. Ok, ça c'est nickel, ça c'est nickel. On va pouvoir mettre ça enchaîné avec un petit trompé de séisme. Séisme qui est peut-être éclaté, hein. Je sais pas du tout, je connais pas du tout les cartes. Je joue un peu au hasard, je joue à l'aide de mes connaissances, hein, vraiment les gars. Ah, c'est perdu. C'est pas Mohamed Cocteau, hein. C'est pas du tout Mohamed Cocteau là. Mais son deck qui. En fait, je trouve le cochon, honnêtement. Déjà, on fait une défaite, ça me saoule. Mais honnêtement, le cochon, moi, c'est une carte, j'aime pas.
Je trouve que c'est trop dur de passer avec. Je... Ouais, après, je sais sûrement pas le jouer, hein, vous allez me dire, mais... Le cochon, je suis pas trop trop fan de cette carte, pour le coup. Le cochon, j'ai jamais été fan. Plus, c'était fan des... Ouais, c'était genre... Ouais, vraiment, le cochon, j'ai l'impression que tu peux trop facilement le counter. Oh, il est... Ok, pourquoi pas. Par contre, tu cycles vraiment vite avec ce deck, hein. C'est assez impressionnant pour le coup. On va envoyer un cochon, j'aurais peut-être dû le coller le cochon, je sais pas. Ah, mais une très bonne boule de feu, hein. Très grosse boule de feu de sa part. Ok, là, ce qui m'attend, j'ai peur, là, je vais pas vous mentir, là. Ok. La Valkyrie, honnêtement, qui est trop forte. La Valkyrie, les gars, je vous jure, c'est une carte incroyable. Attends, mais... J'ai pris des dégâts sur la tour, là? Comment ça, wesh? Aïe, aïe, aïe. Honnêtement, j'ai over de son deck. Hein. J'aime pas du tout. Ah, mais du coup, ouais. Ah, ouais, mais... Oh, lolo. Oh, lolo. Oh, je me fais détruire. Je me fais détruire. Ok, en vrai l'artificiel fait un travail monstrueux. Hein. C'est trop... En fait, tu veux que je passe comment, en fait, frérot? Tu... Genre, vraiment, tu veux que je passe comment? Ah, moi, c'est la question que je vais te poser, tu vois, genre, enfin... Mais... MDR, hein. MDR, les gars. C'est, j'ai l'impression impossible de passer, hein. Enfin, faut être honnête. Ok, bon là, on a l'air de lui faire un petit boulot sympa pour le coup. Non mais quoi, non mais, quoi? Mais c'est trop dur, wesh. J'ai l'impression que je peux rien faire, les gars. J'ai l'impression que je ne peux strictement rien faire. Tu veux, en fait, tu veux que je fasse quoi, en fait, genre? C'est la question que je te pose, moi. Ok, ça, ça va faire du débarras un peu. On va enchaîner avec ça. Ensuite, on va mettre un petit séisme là, peut-être. Oh, je le passe mal. Oh là là, le troller que je suis en plus. Voilà, pour le coup, j'avoue, j'ai mal joué là. Pour une fois que je joue mal. Allez! On a commencé à. Les gars, je vous jure, j'ai l'impression de plus rien faire, en fait. Mohamed Light, sont... Non mais, les gars, genre, oh, c'est... Ah non, mais c'est quoi ce deck? C'est Mohamed Hard, c'est trop dur, frère, genre, vraiment, c'est... Je... Franchement, mais je... Oh, je vais me prendre 3-0, hein. Je vais me prendre un 3-0, hein. Je vais tester une nouvelle stratégie, je vais bourriner. C'est quoi, je vais bourriner, je vais pas réfléchir. Ça va peut-être marcher, hein. Après tout, pourquoi ça marcherait pas? Il commence déjà à me titiller, là, hein, le cousin. Ok, bon. Tu
C'est quoi alors? J'ai fait une double stratégie incroyable qui consiste à simplement mettre un séisme. Ah, ça détruit même pas tout. Non mais il tape même pas la tour. Oh my god. Oh my god, les gars. Ok, bon bah... Bah oui, la reine. Ça va, je te dérange pas trop, frérot. Ça va aller tranquille. L'artificier derrière, peut-être ça va faire un truc là. Oh. Oh, peut-être, oh, peut-être, par magie. Peut-être une première tour qui va être prise. Bah vraiment pas. Ah. Ok, on a mis un peu de dégâts. Alors peut-être qu'on a le match-up aussi, hein. Je sais pas, j'y connais rien. Ok, nickel, 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 bon. Là, il a plus d'élixir, je pense. Je l'ai tellement retourné le cerveau. On est atchou. Atchou. Non mais... La reine, c'est fort, je peux même pas la... Oh, on a eu de la chance là. Ah, par contre, ça. Oula, attention, on a bien joué de ma part là. Et la tour qui va presque être prise. Honnêtement, là, les gars, je le sens plutôt bien. Si je perds, honnêtement, je fais un don de je sais pas combien d'euros à une association. Bon, après, je fais déjà des dons régulièrement, bien évidemment, mais. Ça sera un plus quoi. Regardez, contre-attaque. Il va rien pouvoir faire. Hein. Ok. Non, je perds pas. Non, arrête. Arrête. Wesh. Bon, je pense sincèrement, les gars, qu'on va pas continuer plus que ça. Je pense qu'on a vu le deck. Et je vous dis mon avis, c'est que je suis extrêmement nul avec. Je ne comprends même pas comment c'est possible d'être aussi nul au jeu. Comment ce mec-là peut avoir autant de trophées, wesh. Je n'arrive pas du tout à jouer. Honnêtement, je le déconseille pour les randoms, en tout cas. Il est trop dur à jouer. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait plaisir à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo que je parle vous plaise. C'était Cocteau. À demain pour une nouvelle vidéo.